le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 22 au 28 janvier. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général et on ira voir au niveau du sentimental. Vous aurez bien évidemment le minuteur, le timing dans la barre de description. Allez, je prépare les cartes et je reviens vers vous pour la description. À de suite. Heureux tout le monde, c'est bon, le tirage a été effectué. Donc on a eu la carte changement, la carte visite, la carte divertissement, inconstance, tendresse, querelle, joueur et piège. Allez, on commence par la carte changement. Il y a cette semaine du mouvement dans votre vie, du changement. On vient vous dire qu'en fait, c'est grâce à la rencontre ou à la visite de quelqu'un dans votre vie. On ressent qu'il y a une proposition ou qu'il y a une opportunité, en tout cas cette semaine, qui arrive vers vous. On vous dit déjà qu'il faudra prendre le temps d'écouter, le temps d'entendre, le temps de ressentir. Le point positif face à cette situation, c'est que vous êtes ou vous allez être en tout cas dans cette semaine dans une dynamique où vous serez, voilà, comment dire, vous êtes dans la bonne énergie. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous allez être dans un bon moment, comme on dit, d'accord? Et ça, ça va être très positif parce que vous êtes ouvert ou ouverte en fait à accueillir cette opportunité qui arrive à vous. D'accord? Le point négatif, c'est que justement cet enthousiasme dans lequel vous allez être, dans cette énergie, il se peut qu'il y ait encore des hauts ou des bas, c'est-à-dire on nous parle d'inconstance. C'est le point négatif, ça va être en fait d'essayer justement de ne pas retomber dans cette inconstance ou de ne pas avoir des pics de « oui, je suis motivée, je suis dans une bonne énergie » et puis d'un coup, boum, vous voyez, ça chute. Ça peut être juste ce qui peut être négatif pour vous. Le point positif, c'est que cette proposition, cette opportunité, on a la carte tendresse, c'est que c'est lié avec l'une de vos envies ou un besoin, en tout cas, que vous avez dans votre vie en ce moment. Et on vous dit que c'est positif parce que ça va vous aider. Vous voyez, cette inconstance, ces pics de haut et de bas, ça va vous aider à essayer d'être linéaire au maximum. D'accord? On a... la surprise. La surprise, c'est que, alors on nous parle de joueur, c'est que je pense que vous allez découvrir en vous, de par cette opportunité là qui arrive, cette proposition, et le fait que justement vous allez être tiraillé entre votre cœur qui vous parle et ces moments où on croit, voilà, où on est confiant, où on est dynamique, et ces moments où on n'y croit plus, où on peut avoir une baisse de régime, c'est que vous allez découvrir en vous, comment vous dire ça? Un côté de vous que vous ne connaissiez pas. On nous parle de joueur, donc moi, c'est un côté stratégique, en fait, que je ressens. C'est un côté stratégique. On vous dit, le défi à relever, c'est la querelle. Alors, la querelle, ce sera justement, vous voyez, ces deux... Ce cœur qui vous parle, ce cœur qui va être attiré par cette proposition, ce cœur qui vous dit « oui, vas-y » et un peu votre mental qui vous réfrène avec ce pic, hein, ce pic de montée et ce pic de descente. Votre mental qui vous dit « non, mais peut-être qu'en fait, ça marchera pas » ou « peut-être que c'est pas fait pour toi » ou « peut-être que… » Vous voyez, les, tous les « et peut-être ». Et en fait, votre défi cette semaine, ça va être justement d'éviter ce conflit intérieur au maximum pour avoir la tête libre et pour pouvoir prendre en compte et en considération cette opportunité qui arrive à vous et pouvoir la saisir si il faut la saisir. La leçon à en tirer, c'est que on vous dit, c'est est-ce que vous allez accepter cette opportunité? Est-ce que vous allez maîtriser un petit peu votre mental et est-ce que vous allez écouter vos émotions par rapport à cette demande, par rapport à cette visite, par rapport à cette rencontre? En fait, ça annonce un changement possible que vous pouvez vivre. Et maintenant, il va falloir vous dire, est-ce que j'écoute mon cœur et je fonce ou est-ce que je me laisse maîtriser par des pensées et
je stoppe et je peux ne pas saisir cette opportunité. En tout cas, voilà, il y a du changement, il y a quelque chose qui va en direction de votre cœur cette semaine. Soit c'est une proposition, soit c'est une rencontre, soit c'est... En fait, ça peut être même juste un petit détail, mais très positif pour vous parce qu'il peut vous amener à changer quelque chose. Alors maintenant, à voir si vous allez la saisir ou pas. Telle est la question. Mais en tout cas, un changement, changement possible. Mais tout dépend, voilà, de votre réaction. Est-ce que vous allez oser avancer? Est-ce que vous allez oser saisir une chance? Ou est-ce que vous allez décider de reculer? À vous de voir. Allez, je prépare le tirage sentimental. Et puis, on se retrouve après, pareil, pour l'interprétation. À tout à l'heure. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage, il a été effectué. Alors, on a eu avidité, petit gain retard qui sont tombés en même temps, opportunité, succès, protecteur, caquet et divertissement et victoire. Alors, on ressent là cette semaine au niveau du sentimental qu'il y a un peu un appel. Donc là, ce que je ressens, alors que ce soit pour les personnes célibataires ou que ce soit pour les personnes en couple, que voilà, il y a un appel. Il y a un manque cette semaine, un manque. Les célibataires, peut-être que voilà, il va y avoir un petit coup de mou parce que tout simplement, vous avez envie de partager quelque chose, vous avez envie de partager des émotions, vous voulez quand même en fait recevoir quelque chose cette semaine. Ça va vous manquer un petit peu. Et puis parce que vous allez vous dire aussi que ça fait peut-être un petit moment, voilà, que vous êtes dans cette situation et qu'il ne se passe rien. Donc voilà, il va y avoir cette petite baisse de morale. Les personnes en couple, pareil, c'est un petit peu, ben ouais, une baisse de morale dans le sens que vous allez avoir l'impression que par rapport aux donner et aux recevoir, que ben, vous donnez plus que ce que vous recevez et que au final, ce que vous recevez, c'est tout petit. Et peut-être que ça fait un moment, ou en tout cas, je parle aux personnes qui sont dans cette situation, pas que vous réclamez, mais que vous pouvez exprimer à votre conjoint ou à la personne qui est en face de vous. Ben que vous aimeriez bien recevoir un peu plus, que ce soit voilà, en tendresse, en cadeau, peu importe votre manque. En tout cas, j'ai l'impression que vous l'avez déjà prononcé, que vous l'avez déjà dit et que ben rien ne se passe. Rien ne se passe comme vous le désirez. Et ça, cette semaine, voilà, autant célibataire qu'en couple, ça va vous déprimer un petit peu. C'est comme si, voilà, il y avait un appel qu'on avait envie de changement, soit dans la situation en cours, si vous êtes en couple, ou soit en tout cas de pouvoir rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. On dit le point positif, c'est opportunité, c'est que quand même, malgré cette petite, pas tristesse, parce que je ressens pas de la tristesse, c'est juste que voilà, ça fait un petit moment qu'on est dans cette situation et qu'on a forcément envie de changer. Le point positif, c'est que vous êtes quand même dans une belle dynamique, dans une dynamique où vous êtes ouvert, où vous parlez, où vous communiquez, où potentiellement, il est possible avec cette carte opportunité, vous êtes dans cette optique de recevoir. Et ça, on vous dit en fait que c'est positif. Le conseil, ou en tout cas l'influence qui sera négative pour vous, on vous dit juste de ne pas vouloir justement aller trop vite ou en vouloir trop. On vous dit faites petit à petit et étape par étape. Voilà. Pour les personnes en couple, c'est voilà, peut-être que votre conjoint n'a pas compris ce que vous demandiez. Donc, n'hésitez pas à réitérer, à répéter pour qu'il comprenne bien et surtout vous assurer qu'il a bien compris votre demande. Et pour les célibataires, on vous dit juste ce qui est négatif, c'est que tu restes quand même dans une position d'ouverture. N'essaie pas quand même de vouloir aller trop vite ou de vouloir plaire à n'importe qui pour justement combler ce petit manque que tu auras cette semaine, parce que des fois, ça nous fait attirer des personnes ou aller dans des relations par rapidité qui ne sont pas faites pour nous. Donc, on vous dit juste, prends le temps. Oui, on comprend, on entend que, voilà, peut-être que tu en as ras-le-bol ou que tu es dans un moment où tu as envie de partager, tu partageras, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, prends le temps quand même. Soit de connaître les personnes, soit de parler aux personnes. Les rencontres, elles sont toujours préparées. Voilà. Et on vous dit un peu là,
prends le temps parce que c'est en préparation ou parce que potentiellement autour de toi, tu n'as pas encore la personne qu'il te faut. D'accord? La surprise. La surprise, c'est que vous allez vous rendre compte cette semaine, alors pour les célibataires, que autour de vous, il y a une personne qui remarquera en fait ce sentiment dans lequel vous êtes et qui va jouer probablement un rôle de protecteur, ou en tout cas, vous allez le comprendre, voir que cette personne, ben, le fait qu'elle comprenne ou qu'elle voit que vous vouliez en fait rentrer dans une relation ou que vous êtes peiné en fait de ne pas être encore dans une relation va jouer un petit peu ce rôle de protecteur. Mais vous ne vous en rendiez pas compte. Là, il va y avoir comme si vous allez voir autour de vous une personne qui va prendre en fait votre demande, ou qui va entendre votre demande, ou qui va savoir, hein, parce que vous allez lui dire ou pas, que vous recherchez quelqu'un, ou que vous avez envie, ou que c'est long, ou que ça se fait. Et vous allez voir en fait son énergie changer. Mais positivement, parce que cette personne-là, hein, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, va un peu essayer bah, de vous protéger. Justement, vous voyez le conseil qu'on disait juste avant pour pas que vous alliez dans une ou une autre relation qui ne vous convient pas. D'accord? Et pour les personnes en couple, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, vous allez remarquer un changement à la suite en fait de ce ras-le-bol hein, que vous allez le communiquer. Ou pas, elle verra dans tous les cas votre changement, un changement cette semaine, comment vous dire ça? Une envie qui est pas là, voilà, une envie qui est pas là parce que ça vous gonfle forcément. Et vous allez voir que cette personne va, en tout cas cette semaine, essayer de faire des efforts, essayer d'être là pour vous et d'être présent pour vous dans votre demande. À partir du moment où, bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure, vous lui communiquez. Et vous lui partagez et qu'il le comprenne ou elle le comprenne. D'accord? Le défi à relever, on nous parle de caquet. Caquet, elle est rigolote cette carte, tu l'aimes bien. Le défi à relever, c'est aussi attention, moi ce que j'entends, c'est attention à qui vous pouvez communiquer cette baisse de régime-là. Ou comment? Alors moi ce que j'entends, c'est comment? Vous allez le communiquer. Voilà. Comment vous allez le communiquer à votre partenaire si vous êtes en couple et comment vous pouvez formuler ça, même si vous êtes célibataire, aux personnes qui vous entourent. Voilà. Vous saurez pourquoi. Vous vous rendrez compte pourquoi, mais attention à comment on le communique. Alors, le conseil. Alors, le conseil, on vous dit divertissement. On vous dit de... Là, vous êtes dans une énergie... Comme on le voyait, hein, où voilà, vous êtes positif malgré que vous ayez une baisse de morale et ça arrive à tout le monde. Voilà, des fois il y a des semaines où ben voilà, on n'est pas, on a des petites envies qu'on a envie de combler et là cette semaine, ben c'est cette envie. Après, hors sentimental, vous êtes dans une bonne dynamique, dans une énergie où vous êtes bien, où vous vous sentez bien cette semaine et ben surtout on va vous dire de garder cette énergie-là. D'amusement, de ne pas commencer à rentrer en fait dans une déprime. Voilà, non, laissez passer, ça passe, c'est comme tout. C'est à des moments ça va et puis à des moments on se sent ben, brouillé, mais ça passe, ça finit par passer. On vous dit essaye au maximum de rester dans cette énergie. Pourquoi? Parce qu'on nous dit la finalité c'est la carte de la victoire. Donc les célibataires ou les personnes en couple, dans tous les cas, cette semaine, vous pouvez réussir à concrétiser ce que vous désirez. Donc, les célibataires, si vous restez dans cette dynamique et vous ne basculez pas dans le contraire, vous voyez, dans le sombre, on nous dit, vous pouvez saisir une opportunité où il y a une belle opportunité, en tout cas, qui arrivera à vous, là, qui arrivera. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, n'essayez pas de saisir des choses qui ne te conviennent pas. Attends, il y a quelque chose qui est en préparation pour toi, mais plus tard, vous voyez? Mais vous aurez gain de cause à partir du moment où, voilà, vous prenez sur vous, vous gardez cette énergie dans laquelle vous êtes qui est top, d'accord? Faites des sorties, parce qu'avec divertissement, c'est continuer à faire des sorties, continuer à voir du monde. Cette opportunité, elle arrivera. Restez positif surtout, d'accord? Et on vous dit, pour les personnes en couple, pareil, même si ça vous gonfle, essayez de recommuniquer, de parler, d'échanger avec votre partenaire. Ou de lui montrer en tout cas que ça ne vous convient pas, restez dans cette énergie,
tenez, ne pétez pas un plomb, c'est ce qu'on entend. Ne pétez pas un plomb, restez, voilà, souriant, même si à des moments ça vous prend la tête, parce que votre compagnon, hein, compagne, compagnon, va comprendre. On vous disait tout à l'heure que cette personne va comprendre et va commencer à faire des changements. Et on vous dit à la fin, vous pourrez gagner et recevoir en fait ce que vous désirez. Mais maintenez le cap. Cette semaine, c'est comme si on vous disait un petit peu célibataire ou couple, maintenez le cap. Oui, tu as un moment de creux, c'est pas grave, ça passe. Voilà, ça passe. Tiens cap, maintiens, reste comme tu es, dis ce que tu as à dire et tu verras que par la suite, tu réussiras à avoir ce que tu désires. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera pour cette semaine. Gardez cette belle énergie dans laquelle vous êtes, surtout, c'est un passage, ça passe. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, passez une belle journée. Au revoir.